Nouvelle victoire de l'Estoril hier qui prend la deuxième place de la poule. Un match plein durant 65 minutes, puis quelques absences qui coûtent cher. Résumé en images. Match difficile. Ouais, difficile. On fait une bonne entame comme la dernière fois contre Saint-Nazaire et après on se relâche un peu, 20 points d'avance, je crois, même un peu plus, et on se relâche. Alors qu'on a le match en main, c'est notre défaut. Et après, on se fait sur la fin, on craque un peu sur des bêtises parce qu'ils sont moins que nous. Mais c'est la victoire, on gagne. Je crois qu'ils ne prennent pas le bonus. L'essentiel est assuré. Mais bon, il y a du travail à faire encore. Un gros match. Au moins, on va pouvoir commencer à entrevoir une hiérarchie dans la poule. Nous, on les a battus ici. Moi, je pense qu'on a pris le match par le bon bout. Satisfaction parce que globalement, on a mené toute la partie et plutôt bien. Et un regret qu'on soit quand même un petit peu trop fragile par moment et d'encaisser trop de points. C'est ça, c'est de créer l'équilibre. Maintenant, je trouve que justement, on n'a pas su le trouver suffisamment souvent. Donc c'est par bribes, de temps en temps, et ça c'est normal. Mais j'aimerais que dans nos temps faibles, on encaisse moins de points. Le travail paye, mais après, voilà, il y a toujours des petites erreurs encore qu'il faut s'améliorer sur ça, parce que il faut essayer de faire des matchs pleins de 80 minutes, et ça, on n'a pas réussi à le faire encore.
le plus dur arrive. On va aller à Cognac. Cognac que je regarde tous les week-ends. C'est une bonne équipe. Donc il faut. Voilà, on a besoin de faire une bonne performance à l'extérieur, ce qu'on n'a pas vraiment réussi encore à faire.